Et à une semaine du réveillon de Noël, le centre de tri de Saint-Laurent-de-Mur est en plein rush. En ce moment, 400 000 colis peuvent être traités chaque jour. C'est le double qu'en période normale. Et pour être sûr que tout le monde soit bien livré à temps, le centre fonctionne 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Laurent Canonico. Un tapis qui serpente sur plus de 800 mètres de long, une ronde incessante de colis et plus de 300 opérateurs pour ce rush de Noël. Ceux qui sont derrière nous sont en train justement d'injecter les colis sur le trieur. 200 000 colis par jour en moyenne, deux fois plus lors du pic du 15 décembre. La plateforme Colissimo de Saint-Laurent-de-Mur est traversante. 32 quais à l'arrivée, 32 au départ. Au milieu, le trieur. À l'arrivée, c'est la base. Il faut que d'ici, il faut que ça soit tout nickel. Moi, je suis au pointage, je réceptionne tous les camions qui arrivent avec leur parking done. Et après, moi, si c'est du vrac, je les transmets à mon collègue et puis nécessaire. Cette plateforme logistique traite l'intégralité des colis en provenance ou à destination des départements du Rhône, de l'Ain, de l'Ardèche, du Jura et de la Drôme. Une activité non-stop ou presque. Quand on trie 200 000 le reste de l'année, on a une horaire de fermeture entre 4h et 6h du matin. Là, en ce moment, pour faire les 400 000 colis, on trie 24h sur 24. Et donc, si je vous entends, une équipe maintenance qui est là aussi 24h sur 24 pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine. Le seul répit, on va dire, qu'on peut avoir, c'est sur le dimanche où les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler et où le trieur s'arrête et où effectivement on peut à ce moment-là faire du préventif maintenance sur le trieur notamment. Arrêt du trieur interdit et productivité à respecter. 200 opérateurs en temps normal, 300 avec cette montée de charge et jusqu'à la mi-janvier, le poste de supervision et le centre névralgique. C'est le noyau, on va dire, le noyau de la plateforme. On supervise les antennes de production, les cadences de chaque personne, des titulaires, des intérimaires, ainsi que le dispatching, on va dire, dans les allées, au niveau des chargements. Promesse de la Poste, livrée malgré le rush de Noël, tous les colis en 48 heures. Pas de doute, il va falloir mettre le paquet.